Le littoral des Flandres de Dunkerque jusqu'à la Panne en Belgique, c'est une longue plage d'une vingtaine de kilomètres sans aucun obstacle. Un merveilleux espace de liberté pour les vacanciers, les sportifs ou les simples promeneurs. Comme Alain Souchon, qui a trouvé ici l'inspiration pour chanter la plage de Malobrédune et son vent de Belgique. La plage de Malobrédune. Mais ce bord de mer, tout au nord de la France, est aussi un lieu dont le passé historique et culturel est parfois méconnu. Nous allons l'explorer en embarquant sur un fameux trois-mâts à Dunkerque. Puis, nous découvrirons le musée portuaire avec Marie-Laure. Bruno et Lucienne nous feront revivre l'opération Dynamo dans ses moindres détails. À Brédune, nous goûterons au plaisir du vent et des frites avant de franchir la frontière pour une balade dans les ruelles du quartier du Mont de la Panne. Enfin, à Saint-Idosbald, Julie nous fera partager le monde extraordinaire et sublime de Paul Delvaux. Notre voyage en bord de mer commence à Dunkerque par la visite du musée à flots. Ici, on peut monter à bord d'un bateau-feu, d'une péniche ou encore sur la Duchesse Anne, le majestueux trois-mâts qui domine le bassin du commerce. C'est le seul trois-mâts visitable en France. Classé monument historique, il symbolise le flux de voiliers qui faisait vivre le port de commerce jusqu'avant-guerre. Les adolescents d'Armboutskapel, une ville voisine de Dunkerque, sont prêts pour l'abordage. Alors en fait, ce bateau, c'était un bateau allemand et en fait, c'était ce qu'on appelle un navire école. On avait des jeunes qui avaient entre 14 ans et 19 ans en moyenne et ils étaient entre 130 à 200 à bord de ce bateau et on les appelait des cadets. Mais pour la visite, on enfile d'abord le bâchy, histoire de se mettre dans la peau des cadets du siècle précédent. Avant d'intégrer la marine marchande, il partait une année complète se confronter aux joies du long cours. Donc on a le mât le plus haut, il fait 48 mètres de haut. À l'avant, on a le mât de misaine et à l'arrière, le mât d'artimon. Ceux-là, ils font 43 mètres de haut. Et ils devaient monter comme ça, tout en haut. Pour monter, ils étaient pieds nus généralement. C'était quand même assez dangereux, surtout qu'ils n'étaient pas attachés. À peine le temps de prendre le quart sur le pont, que déjà, c'est l'apprentissage du matelotage. Les bouts s'en mêlent pour le nœud de huit, le nœud plat ou le nœud du pêcheur. Vient ensuite le test des hamacs, qui servait de lit au cadet. Et pour faire bonne mesure, on teste aussi le carré des officiers. Il fallait deux personnes à l'avant et deux sur celui à l'arrière pour le diriger, parce que ce bateau est quand même très très lourd. Et c'est pour ça qu'il me fallait quatre personnes pour le diriger. C'est vraiment géant, ça. Tu deviendrais cadet ? Non. Pourquoi alors ? Bah, déjà, les hamacs, c'est pas très agréable, ça bouge dans tous les sens. Ça donne la nausée. Apparemment, ceux-là ne sont pas prêts pour le service. La marine marchande repassera. En face de la Duchesse Anne, l'ancien entrepôt de tabac abrite le seul musée portuaire de France. Marie-Laure Griffaton en est la conservatrice. À la fois musée maritime et écomusée, il permet de s'immerger dans l'histoire du port de Dunkerque. Bah, ce qui est important pour nous, c'est de montrer qu'un port est un lieu extrêmement vivant. Donc c'est un lieu qui se développe, mais qui subit aussi des crises économiques, des guerres. C'est particulièrement vrai à Dunkerque. Donc du 17e à nos jours, on montre notamment comment les hommes et les femmes qui ont fait le port, qui l'ont développé, vont arriver à s'adapter aux contextes économiques différents. Et puis, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est l'importance d'un port dans notre vie quotidienne, parce que, par exemple, 80% du commerce mondial passe par voie maritime. Jean Bart et la guerre de course, les deux siècles de pêche islandaise, le dangereux commerce des engrais qui imposait le passage du Cap Horn, c'est tout un monde fascinant qui est mis en scène ici. À Dunkerque, le patrimoine est aussi industriel. Les installations portuaires sont immenses, mais difficilement visibles depuis les quais du centre-ville. Alors, rien de tel qu'une petite excursion sur la vedette Texel pour saisir la dimension des installations. Gina est à la barre et c'est Geoffrey qui assure le commentaire. Les enfants, tout d'abord, bonjour à tous et donc bienvenue à bord du Texel. Dunkerque est classé au rang du troisième port français depuis plus d'un siècle. En comparaison, premier port de France, Marseille. Bon, en revanche, Dunkerque est premier port de France pour ce qui est importation de minerai de fer, de charbon, ainsi que de fruits et de légumes empaquetés, spécialement des bananes et des ananas, qui nous viennent tout droit des Antilles françaises. Les infrastructures qu'on a sur tribord, hein, ça c'est un atelier de réparation navale.
Les deux navires que vous avez sous les yeux sont des minéraliers. Le premier, c'est un navire qui fait dans les 300 mètres de long. Chargé, c'est 130 000 tonnes, un bateau comme ça, à peu près. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Regarder les usines. Ils habitent dans l'Essonne, donc c'est quelque chose de nouveau pour eux de voir un port. Ils n'ont pas trop l'habitude de ça. Donc on essaie de leur faire découvrir le plus de choses possible pendant qu'ils sont chez nous. Si ces énormes bateaux font route vers le nord, ils passeront au large du village de Zuidkote. Et peut-être pourra-t-on les apercevoir depuis les hauteurs de la dune Marchand. Ce qui fait le charme de ce littoral, c'est aussi cette dune, préservée depuis 1974. Cet espace naturel est l'abri d'une multitude d'oiseaux, d'insectes et de plantes. Le sénesson jacobé, l'onagre et les argousiers colorent la dune. C'est ici que Bart Bollangier emmène les groupes qu'il guide pour une découverte de ce milieu naturel. Ça, cette plante, c'est l'oya. L'oya a la particularité d'avoir, ça se voit un peu ici, énormément de racines. Et des racines qui peuvent être très très longues, à peu près jusqu'à 10 mètres de profondeur. C'est quasiment la seule plante au monde à aimer le sable. Donc dès qu'il y a du sable, elle pousse. Et au plus elle pousse, au plus il y a du sable qui arrive à rester coincé dedans. Alors tout le sable que vous voyez ici, c'est simplement de l'érosion de roches qui viennent des continents. Donc ici, les dunes, elles font à peu près 1 km de large. Et en dessous, autrefois, les dunes pouvaient faire jusque 40 mètres de haut. Ça veut dire qu'avant, les dunes étaient deux fois plus hautes. Donc d'ici, on n'aurait pas pu voir la mer. Ah, voici la patrouille. Bonjour, Bart. Bonjour, ça va? Ça va bien, et toi? Ça va. On balade? Eh oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, d'après vous, ces dames, sur leurs chevaux? Vous savez pas? Alors, ce qu'on leur demande. On est là pour faire de la prévention et de l'accueil du public, pour leur expliquer ce qu'ils ont le droit de faire ou ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Est-ce qu'on peut arracher les plantes? Non. Est-ce qu'on peut attraper les lapins? Non. Est-ce qu'on peut marcher? Oui. Ah, quand même. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les plus grosses infractions qu'on rencontre, c'est le camping sauvage, malheureusement, les chiens qui ne sont pas tenus en laisse et beaucoup de déchets. Les gens sont... Bon, ils laissent beaucoup de déchets, les gens. Bon, bonne journée. À bientôt, Bart. À très bientôt, au revoir. Au revoir, bonne visite. Balade. La dune Marchand est aujourd'hui un formidable espace naturel de paix et de liberté. Pourtant, au début de la Seconde Guerre mondiale, elle fut au centre d'une opération militaire de grande envergure, l'opération Dynamo. En mai 1940, repliée à Dunkerque sous la pression de l'armée allemande, les Alliés tentent de rapatrier leur division vers l'Angleterre. La Luftwaffe bombarde alors le littoral. De nombreux soldats vont mourir ici, fauchés par les bombes ou les balles des Stukas. Se sont retrouvés sur les plages de Dunkerque 400 000 hommes, français et anglais. À ce moment-là, une flottille immense de 1400 bateaux à peu près s'est déplacée pour venir évacuer l'armée. Lucien Dayan est le président de l'association qui gère le Mémorial du Souvenir. Un musée consacré à l'opération Dynamo est situé dans ce qui reste du QG de la défense de Dunkerque en 1940. Ici, lors des 9 jours de l'opération Dynamo, des soldats ont fait face à l'armée allemande. Et Lucien Dayan tient beaucoup à défendre leur mémoire. Il y a eu des soldats français qui ont protégé le secteur pour que l'évacuation puisse se faire. En gros, 15 000 hommes se sont battus contre 80 000 Allemands. De ces hommes héroïques, on n'en a jamais parlé. On n'en parle jamais, sauf chez nous. Et puis, on a accusé les Anglais de nous avoir abandonnés, alors qu'ils ont embarqué la presque totalité de la première armée qui était réfugiée sur les plages de Dunkerque en Angleterre. La plupart des Anglais qui avaient été évacués de Dunkerque se sont retrouvés aussi en Normandie. Dans la dune Marchand, il ne reste plus beaucoup de traces de la bataille de Dunkerque. Mais sur la plage, à marée basse, il n'est pas rare d'apercevoir quelques épaves emprisonnées dans leurs gangues de sable. Bruno Pruvot est un habitant de Zuidkote. Passionné d'histoire,
Il s'est intéressé à ces épaves, et notamment à l'une d'entre elles, qui fait face à son village. Après des recherches auprès des anciens de la commune, puis de l'autre côté de la Manche, il a fini par mettre un nom et une histoire sur ce qui était devenu un simple repère pour les pêcheurs. Depuis, une plaque a été fixée sur l'épave, et Bruno, quand il passe à proximité, n'oublie jamais d'y mettre un petit coup de brosse, histoire que le texte gravé soit bien lisible. C'est un vapeur anglais, un roue à aubes, le Crystal Eagle. Et ce bateau était un très grand bateau, il faisait 91 mètres de long, et très connu des Londoniens, puisque c'était un bateau de plaisance. En fait, les gens montaient sur ce bateau avant-guerre pour faire une balade sur la Tamise. Alors voilà le type de bateau, le Crystal Eagle. C'est lui qui est là. C'est celui qui est là. Il arrive le 29 mai, ici, par la passe de Sud-Côte, il se dirige vers la HT Est de Dunkerque. À 18h30, chargé de 600 soldats, il quitte le quai et se dirige vers l'Angleterre. Trois Stukas le prennent en cible. Il reçoit une bombe à l'arrière dans la salle des machines. Le bateau commence à prendre feu. Au total, on dénombre 300 morts sur ce bateau. C'est plus un morceau de ferraille, parce que un morceau de ferraille, personne n'en voulait. Il fallait s'en débarrasser, mais trop compliqué. Mais maintenant, ce bateau, c'est une tombe. Voilà, donc il faut le respecter tel que, quoi. La mer remonte et d'ici une heure et demie, elle aura recouvert complètement l'épave. Ce moment crucial de la Seconde Guerre mondiale inspire encore le cinéma. Récemment, Christopher Nolan a tourné ici même une bonne partie de son film sur l'opération Dynamo. Quelques années avant lui, c'est Henri Verneuil qui a adapté le roman de Robert Merle, Weekend à Zuidcote. Et ce tournage, ici, on s'en souvient encore. Bruno nous amène chez Lucienne Pinte. Elle a figuré dans le film et sa mémoire de l'événement est encore intacte. Oui, c'est scratché là. Mon rôle principal, si on peut appeler ça, c'est quand je dénombre les morts avec l'acteur Pierre Verdier. Et c'était principalement des enfants. Ça situait l'horreur de la guerre. Donc c'était enfants paraissant à sexe indéterminé, paraissant âgés d'eux. Et là, je devais relever la tête en écrivant. Grave devant l'horreur de la situation. Voilà. Et quand ça a été terminé, Henri Verneuil, qui était pourtant un homme assez même colérique, hein, fallait que tout aille comme il le voulait, il m'a dit « Madame, vous avez été sublime ». C'était son mot, sublime. Et alors moi, je soufflais quelquefois à Jean-Paul Belmondo, parce que lui, c'était un jeune acteur un peu fougueux, et quelquefois, son texte, il ne le savait pas toujours bien. Alors on recommençait. C'était un peu, on va dire, le déconneur, si on peut appeler ça comme ça. Moi, j'ai le film, je l'ai dans ma tête. Alors, à chaque fois que je le revois, ben, je l'ai encore en cassette. Donc, à chaque fois que je le revois, je revois des petites choses. Ça me... On découvre toujours. Hein. Découvre, oui, oui. Après Zuidcote, la petite station balnéaire de Bredune est la dernière ville avant la frontière avec la Belgique. Ici, les grandes plages de sable sont parfaitement adaptées au sport nautique. Jean-Marc et Mike, moniteurs de voile, ont décidé de proposer ces activités à ceux que l'on ne voit que très rarement sur les plans d'eau. Regardez-moi, Jean-Yves. Voilà, on a commencé par des petits baptêmes. On les a pris avec nous en catamaran, on les a fait naviguer. D'abord en simple passager, ensuite on avait essayé de faire un petit peu de char à voile. C'est des équipages mixtes où il y a un navigant confirmé et où on apprend à faire de la voile avec eux. On comptait faire du catamaran et bon, c'est un petit peu compliqué au vu de l'état de la mer et puis de la force du vent. Du coup aujourd'hui avec Jean-Yves, Jimmy et Thierry, qui sont des déficients intellectuels et résidents de la Dune au Pin à Guiveld, on va faire une séance de char à voile. On va les emmener rouler à toute allure sur le sable et prendre du bon temps tous ensemble. Ouais, nous le gueule là. Voilà, je pense qu'il a tout à fait compris. Tu peux t'allonger dedans, Jimmy, si tu veux. Voilà. Les lunettes, ça sert à ce que tu n'aies pas de sable dans les yeux. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de sable qui vole. Donc voilà un peu à quoi ça sert. D'accord ?
Alors Jimmy, c'était comment? Bien. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que voilà, on a un ressenti direct, on va dire sans vernis social. Ça, ça me plaît. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, ça plaît vraiment. C'est pas oui pour faire plaisir. On sent que Jimmy, voilà, si ça lui plaît, il va te dire oui. Si jamais ça lui plaît pas, il va le dire carrément. Non, c'est nul. Là, au moins, on sait que ça lui a plu, il était content. Alors, hey, Jean-Yves, t'as pas trop peur? Non. Ah non. Il a non. Jamais peur. Allez, Thierry. Oui. T'es prêt? Ah, oui. Alors Thierry, oui. Ça t'a plu cette affaire? Oui, ça t'a plu. Alors, t'as eu peur, il y avait du vent? Non, il y avait du sable dans les yeux. C'était, légèrement. Tu reviendras encore? Oui, pas de problème. Les trois qu'on a là, eh bien, ils viennent minimum une fois par semaine, sinon deux. Quand on réussit à caler plusieurs séances. Mmh. Alors, ça se fait pas en bord de mer. Oh, attends, leur pratique régulière se fait en bassin intérieur avec des voiliers spécifiques, des voiliers adaptés sur lesquels ils sont en autonomie. Ils reviennent de là, ils sont épanouis. Là, Jimmy, on voit, là, il est tout détendu, il est tout calme. Et puis, ils ont un vrai bien-être à pratiquer cette activité, quoi. Donc, pour nous, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Bah, c'est le côté humain, quoi. On voit l'évolution et on se dit que l'année prochaine, ça sera encore mieux. Donc ça vaut le coup, quoi. Ouais. Tout le monde devrait le faire. À Brédune, il est de tradition, après la plage, de manger quelques frites. Et sur le boulevard, l'offre ne manque pas. Mais pour dénicher la bonne adresse, on peut compter sur Jean-Marc, notre moniteur de voile. Il se dirige chez Irène, l'une des plus anciennes adresses de Brédune. Pourtant, celle qui s'active dans la friterie s'appelle Annabelle. Irène et son fils Stéphane ont pris leur retraite depuis quelques années. Okay. Et la succession n'était pas gagnée d'avance. La friterie, oui, c'est une institution à Brédune. Ouais. Celle-ci en particulier, oui. Irène, elle a quand même été ici 50 ans. Hein. Ben, pas parce que c'est moi aujourd'hui, mais c'est quand même les meilleures frites à Brédune, quand même. Elle assure. Ben, sinon, je ne serais pas revenu. Je suis ici depuis que j'ai 3 ans, donc forcément, je ne serai pas revenu. C'est dans la continuité et c'est pas facile, c'est un challenge. Passer après Irène et Stéphane, des visions locales. Irène a acquis le statut de légende locale et Annabelle compte bien le préserver. Ici, pas de frites sous vide, pas même de pommes de terre qui arrivent déjà épluchées, mais de vraies bonnes patates flamandes. Bah là, c'est de la pomme de terre, c'est de la binge, en fait. Celle que Irène prenait. En fait, j'ai pas changé de fournisseur, j'ai gardé exactement le même fournisseur qu'Irène. Pourquoi on vient spécialement chez Irène? La boutade, c'est parce qu'il y a trop de monde à côté. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Irène hier, Annabelle aujourd'hui. À Brédune, la frite en cornet a encore de beaux jours devant elle. Les clients ne manquent pas et la Belgique est toute proche. Passé Brédune, la longue plage mène directement à La Panne. Bienvenue en Belgique. Sous le regard du roi Léopold Ier, les touristes belges viennent à la côte. Une côte que les promoteurs immobiliers n'ont pas épargnée. L'ancien hameau de pêcheurs est devenu ville à part entière. Derrière la digue bétonnée, il reste quand même un quartier typique du début du XXe siècle qui fait la fierté de la commune. C'est Robert Kless qui nous accompagne sur les hauteurs de la dune, en plein centre-ville. On est sur un point de vue panoramique, où c'est sur la dune la plus haute de la commune. D'où on voit encore un petit bout de mer au lointain. En bas, on voit le quartier du Mont. Tout le quartier qui a été classé comme
entité urbaine. Le quartier construit par Albert et Alexis Dumont est un parfait exemple de l'urbanisation des côtes au début du XXe siècle. Les pêcheurs de la Panne se sont trouvés peu à peu entourés de jolies villas. Mais à l'époque, pas question de construire de grands immeubles. Les architectes s'inspirent plutôt des cottages anglais, tout en utilisant des matériaux locaux. La plupart est construit en briques jaunes de Nieuport, qui était la brique typique pour la région. C'était aussi la brique préférée de la famille Dumont. Les toitures, de préférence en tuiles rouges, qui sont aussi typique pour le pays. La couleur verte foncé, c'était la couleur que les pêcheurs mettaient sur leur petite chaumière. Et c'était la peinture qu'ils mettaient sur le bateau. Les Dumont père et fils ont imaginé et bâti près de 400 habitations à La Panne. C'est encore bien souvent des maisons secondaires. Le quartier est toujours très calme hors saison, mais il y a bien sûr quelques résidents qui vivent là au quotidien. Robert nous amène chez l'un d'entre eux, une figure de La Panne, Robert Demuisère, ancien champion d'Europe de char à voile. Un sympathique flamand originaire de La Panne. Avec sa femme Jacqueline, il nous ouvre les portes d'une villa qu'il a soigneusement conservée dans son état d'origine. C'est une ancienne maison, c'est tout ce que moi je sais dire. Et je l'entretiens bien, et elle est comme elle était il y a 120 ans. Entrez, je vous en prie. Donc, le premier char à voile ici. Là, on faisait ça, c'est une course de char à voile dans le temps. Et si vous avez La Panne sans maison, c'est une peinture de 1850, quelque part. La cheminée est restée pareille. Les décorations aussi, voyez-vous. La même chose. Toutes les boiseries sont originales. Il n'y a rien triché. Pas de tricherie. Pas de tricherie. Robert et Jacqueline ne sont pas prêts de quitter la villa qu'ils ont consciencieusement entretenue dans la pure tradition flamande. Sur leur terrasse, ils pourront encore profiter longtemps de la formidable lumière iodée du bord de mer. Cette lumière a inspiré de nombreux artistes, dont l'un est devenu célèbre dans le monde entier, Paul Delvaux. À Saint-Idosbald, juste après La Panne, un musée lui est consacré. Delvaux est un des peintres, une figure vraiment internationale, un des plus grands peintres du XXe siècle en Belgique, qui est souvent associé au mouvement du surréalisme. Et c'est un peintre donc qui est exposé mondialement, il y a des œuvres dans les plus grands musées du monde. Mais donc à la fin de sa vie, il s'est demandé qu'est-ce qui allait advenir de toutes ses affaires, de tous ses objets, de toutes ses œuvres. Et son neveu lui a dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas, on ne réaliserait pas un musée ?» C'est vrai que vu de l'extérieur, le musée a l'air tout petit, comme ça un peu à l'image du peintre, mais il faut vraiment pousser les portes pour découvrir la richesse de ce musée, puisque nous sommes le plus grand musée de Belgique, donc dédié à un peintre. Il y a plus de 1000 mètres carrés. Donc c'est vraiment l'univers du peintre en entier que l'on découvre dans notre musée. Delvaux, ce qu'il a fait, il a voulu créer un univers, un monde dans lequel il voulait vivre. Et il dit d'ailleurs, je voudrais peindre un tableau dans lequel je vivrais, dans lequel je pourrais vivre. C'est l'un des thèmes récurrents de l'œuvre de Paul Delvaux. Les femmes sont représentées nues, figées dans leur majesté, au sein d'un paysage ou d'un milieu urbain tout aussi immobile. Mais si les femmes sont au cœur de l'œuvre de ce peintre, on peut en chercher l'origine dans l'histoire personnelle de Delvaux. Subissant l'ascendant de sa mère, il devra quitter Tam, la femme aux grands yeux, l'amour de sa vie. Je pense que c'était surtout une maman castratrice et qu'elle voulait garder son petit garçon pour elle. Comme Delvaux était dépendant de ses parents, il n'a pas eu grand choix et donc il a obtempéré. Et 10 ans après, il était revenu ici à Saint-Idesbald chez son ami Georges Gras, qui était un sculpteur, et il a retrouvé Tam. Et ils sont sortis de la librairie bras-dessus-bras-dessous, ils ne se sont plus quittés et ils ont encore vécu ensemble 50 ans. On va être convié maintenant à prendre le train, qui est le second élément qui est présenté ici dans cette scénographie et qui est un des éléments principaux de l'œuvre de Delvaux, ce fameux train. Les trains donc, qu'il représente sont les trains vraiment de l'époque de son enfance, hein, à l'époque où il justement utilisait le train pour aller rendre visite à sa famille en Wallonie ou pour venir en vacances à la mer. Donc le train représente la liberté, l'aventure, le voyage. On est vraiment convié à l'imaginaire puisqu'on se demande mais où va ce train ? On peut se poser plein de questions.
Moi, je pense qu'on peut lire beaucoup entre les lignes dans ce tableau. Et il ne faut pas hésiter de prendre vraiment, pas la première couche, mais voir à l'arrière, découvrir plus, aller voir vraiment à travers des fenêtres, des petites maisons, qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur de ces petites maisons, voir dans les trains. Moi, je pense que chacun peut découvrir un petit peu à son goût, à sa manière, à sa propre imagination dans ce tableau. C'est ça qui est intéressant. Tourner le vent, la dune à l'envers. Tourner la terre, tourner le grand air. Souchon l'a bien écrit. Ce joli littoral de Dunkerque à la Panne est un poème à vivre dans les dunes et le vent. Le regard, tourné vers la mer.